Direct. Bienvenue dans cette 33e vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Est-ce que c'est important de comprendre certaines choses afin de décider de l'expérience qu'on veut vivre? Puisque absolument tout est expérience, hein? Soit on le sait. Pour retrouver ce pouvoir sur moi, sur ma vie, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. Parce qu'on remarque hein, que dans la vie, il y a des cycles, il y a des choses qui nous reviennent continuellement. Puis on se dit, voyons, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? T'sais, il y a quelque chose là, il faut comprendre. Puis comment faire pour qu'il en soit autrement? J'ai eu besoin de comprendre aussi, moi, à quel point mon fonctionnement interagissait à travers ça, afin d'éveiller ma conscience puis de décider à place de réagir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je réagis plus du tout? Ben c'est sûr que non, là. On est humain, tu sais. Ça l'enlève pas le fonctionnement. Ça nous fait le comprendre pour qu'on ait du pouvoir dessus. Ça veut pas dire que ça arrivera plus jamais, tu sais. Sauf que mes réactions, par exemple, ils vont être beaucoup moins intenses. J'arrive à m'observer. Fait que j'apprends à me connaître, à faire la paix avec plusieurs rancunes, à changer certains de mes comportements pour prendre des décisions pour le meilleur de moi. Parce que comprendre, c'est décider de l'expérience. Ne pas comprendre, c'est de réagir aux événements. La compréhension, ça aide à ouvrir la conscience. Ça permet de décider qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour moi. Vous voulez apprendre à transformer l'expérience? Ben, venez vivre le septième ciel. Les portes ouvrent demain. En attendant, ben, je vais vous inviter à aller visionner les liens que je vais mettre sous la vidéo, qui sont des vidéos de présentation et webinaires pour vivre le septième ciel. Sur ce, moi, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain.